Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission des Dessins de Noël. Cette année, encore une fois, on va faire au moins un heureux et probablement plusieurs petits-enfants très heureux de voir leurs dessins à la télévision. On a notre compagnie, le Père Noël, comme à l'habitude, qui est venu de très loin encore cette année, qui a pris quelques minutes pour venir nous rencontrer. Ça va bien, Père Noël? Oh oui, ça va bien, mon petit grelot. C'est pas chaud, mais ça va bien. Oui, ça mais va en bien. Studio, on est bien, par exemple. Oh, ici, là, on va réchauffer, pas de problème. On a une belle émission. J'avais hâte de venir à Sainte-Anne-des-Plaines pour venir faire... Sainte-Anne-des-Monts, Père Noël. Oh oui, Sainte-Anne-des-Monts. Le Père Noël, il se fait vieux, hein. il mélange. Oui, faire ça, c'est même aussi. Puis, mon petit... On a notre grelot, ben notre grelot, notre petit lutin cette année. Grelot miniature. Comment tu t'appelles, notre lutin? Nicolas Roissard-Pierre. Puis Nicolas, t'es content de venir faire l'émission avec nous autres? Oui. Est-ce que tu vas nous aider? Oui. Bon, ben c'est bien ça. On avait besoin d'un petit lutin cette année pour nous aider. On a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de dessins. Regardez ça, la pile, hein? C'est quoi qu'on fait avec ça, mon petit grelot? Ben, les dessins, on met ça dans la boîte pour puis le cadeau tout de suite. Oui, mais avant, on va les montrer, hein? Puis on va parler des petits-enfants qui les ont fait, ces dessins-là. Oui, oui, oui. Puis on va faire à peu près 15 minutes d'émission, puis on a une ligne ouverte. Alors, si les gens, les personnes qui sont intéressées à nous appeler, pas tout de suite, par exemple. On va vous le dire quand ça va être le temps de nous téléphoner. Il va y avoir Marie-André qui va prendre les appels, puis elle va nous les repasser après, puis on va pouvoir parler aux gens, pour leur poser des questions, leur demander ce qu'ils veulent comme cadeau à Noël. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas eu le temps de faire leur liste encore pour le Père Noël. Il faudrait se dépêcher parce que c'est demain la veille de Noël. Mais on va commencer tout de suite avec les dessins. Alors, ça va être ça dans notre émission, les dessins de Noël. Une ligne ouverte à toutes les 15 minutes environ pour parler aux gens qui seront intéressés. Puis, à la fin, on va mettre tous les dessins dans la boîte. Puis, notre lutin Nicolas va piger un dessin. On a-tu fait un au Père Noël, un dessin, toi, Nicolas? Oui, j'ai un là-dedans? Un drôle de bonhomme de neige. Ouais, on va voir ça tantôt, probablement. Un drôle de bonhomme de neige. Je sais pas si Raymond peut nous montrer l'appareil qu'on va donner, hein, Père Noël, cette année. Hey, on a eu des gens très gênants. Puis il y a même un... je vois! C'est un appareil CD. À CD ici. C'est beau, hein, Nicolas? Un radio. Et aussi un petit appareil. Un appareil cassette. Je sais pas si on va prendre le pôle Nord là-dessus. Il est comique un peu le Père Noël. Il est drôle le Père Noël. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bonjour les petits-enfants et bienvenue, et les grands-enfants aussi, et bienvenue à l'émission des cadeaux de Noël. C'est pas les cadeaux, c'est les dessins de Noël. Bonjour Père Noël, ça va bien? Ah oui, ça va bien. Vous avez fait des beaux dessins. Hey, on a plus de 150 dessins. Il y en a beaucoup. C'est merveilleux, ça, pour des jeunes. Puis Père Noël, cette année, tu as amené ton petit lutin. Ben oui. Comment il s'appelle, le petit lutin? Comment tu t'appelles? Nicolas Roissard-Pierre. Nicolas. Tu es venu faire le lutin avec nous autres. Ben oui, j'ai un petit Nicolas à côté de moi. Alors, un est-ce beau qu'on petit garçon. Est-ce qu'on est prêt, Père Noël? On va commencer. Ben, on va faire la pige, hein, Père Noël, pour remettre notre beau. Le prochain dessin nous vient de Michael Jordan Pelletier de Sainte-Anne-des-Monts et il est à la maternelle. On va montrer le beau dessin de Michael qui nous a fait lui aussi. Tu le connais, Michael? C'est ton ami? Oui, c'est ton ami. Puis regarde, oups, on va le lever comme faux. Qu'est-ce qu'il a dessiné, Michael? Un Père Noël. Un Père Noël. Et après, non. Avec son beau train. Merci, Père Noël. On a reçu beaucoup de dessins, hein, Père Noël, cette année? Cette année, oui, beaucoup. Et tu dois en recevoir beaucoup aussi au Pôle Nord. Je reçois beaucoup des lettres. Mais oui, Père Noël, Nicolas, il t'a écrit, puis tu lui as répondu. On a reçu la lettre aujourd'hui. Bon. Aussi, je t'avais donné un petit dessin. Oui, t'as envoyé un beau dessin. On poursuit notre émission des idées de cadeaux de Noël. On va aller voir Nicolas qui est en train de tester pour nous quelques jeux. On va aller voir un petit peu. Ça va bien, Nicolas? Oui. À quoi tu joues? À Pokémon. À Pokémon. C'est qui ton personnage préféré? Pikachu. On va venir te voir tout à l'heure pour voir qu'est-ce que c'est. Tu es en train de jouer à un jeu qui s'appelle... Tu me disais comment ça s'appelle, Nicolas? À quoi tu joues? Pokémon. À Pokémon. C'est ton émission préférée? Est-ce que c'est difficile? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il fait le petit personnage? Je ne sais pas si on peut voir à l'écran un petit peu l'écran. Parce qu'il tire des choses. Oui. Puis il saute. Puis c'est Pikachu qui joue comme ça. Oh.
Puis là, tu as une belle manette de Nintendo. Hein? Alors, on va continuer. Pendant que Nicolas continue de s'amuser et essaie de tester les jouets pour nous autres, je pense qu'il aime ça énormément, le jeu Nintendo. On peut peut-être se tourner. Nicolas, est-ce que tu es prêt pour nous tester ta voiture téléguidée? Vas-y, montre-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors, on voit que celle-là est très intéressante avec le petit personnage sur le dessus, là, qui tourne avec la voiture. Il est très, très beau. On fait quelques accidents dans le magasin aujourd'hui, mais c'est pas grave. Puis on voit que Nicolas a bien du plaisir à jouer avec cette voiture téléguidée-là. Je pense qu'il y a un petit peu de misère.